Voilà ça maintenant que vous avez fait de Bordeaux à laisser la musique. Il a laissé, Viviane, voilà ça, il vous a laissé avec. Vous avez crié partout, que oh, la musique vous appartient, voilà ça, il vous a laissé. Calez-vous avec. Faites la musique devienne populaire comme il avait fait. Faites alors, comme vous êtes trop fort. Comme vous êtes trop fort, quand la musique vous appartient, là, faites alors que la musique devienne virale, comme lui, il avait fait. Le seul, ou bien la seule nation qui pouvait soulever cette musique jusqu'aux confins de la terre, c'était la Côte d'Ivoire. Et d'abord même, c'est même la Côte d'Ivoire qui avait commencé à soulever cette musique jusqu'au ciel. Vous allez compter ce qui? J'ai compris ou bien j'ai entendu dire que Prince Aimé va vouloir faire peut-être un remix de Viviane avec Ténor et Malox, tout ça. C'est pour eux qui écoutent. Le public camerounais, vous êtes mort. Ça veut dire que vous ne connaissez même pas vos frères. Vous ne connaissez même pas vos frères. Les seules personnes qui pouvaient soulever cette musique, c'était les Ivoiriens. Vous voulez compter sur le public camerounais. Quand je vois ces influenceurs qui se lèvent, commencent à babader que oh, laissez, on va, vous n'allez rien faire, vous n'allez Bernadette faire, vous allez Benyou faire ça, vous n'allez rien faire de cette musique. Le petit, s'il va tout rester dans sa souffrance, il va toujours souffrir devant vos yeux, bande d'ingrats. Bande d'ingrats. Vous avez fait jusqu'à. Il s'est détourné de l'objectif principal. Voilà, quand tu vois qu'il a lavé ses mains là. Faites alors voir. Parce que comme ils ont lavé les mains, c'est fini. La station Viviane là ne va aller nulle part. Je sais de quoi il parle. Je suis camerounais. Je sais et je connais le public camerounais. Je connais le public camerounais. Et ce n'est même pas pour rien que De Bordeaux normalement devait mettre sa musique. De Bordeaux, quand il fait. Petit, qui ici au Cameroun a cette genre de voix? Qui ici au Cameroun a cette mélodie? Assez maman du roi, Zalaba. De Bordeaux, c'est la personne en Côte d'Ivoire qui est capable d'arranger une belle musique à une musique de classe internationale. Assez maman du roi, souvent il dit même les conneries même dans cette musique là. On ne comprend pas. Ou c'est son patois souvent qui dit même dans cette musique, on ne comprend pas. Mais seulement la voix et la gestue et la manière de faire, ça fait que même si tu n'aimes pas, tu vas aimer. De Bordeaux lui seul, il prend une musique bête là, il arrange. On a vu avec Didier Arafat, on a vu lorsqu'il était avec Didier Arafat de son vivant. De Bordeaux était le numéro 2. Avant là, lorsqu'on parlait de Arafat de Bordeaux, quand on parle même de musique là, Arafat a toujours dit que De Bordeaux, c'était la personne qui pouvait le parler n'importe comment parce qu'il a reconnu le talent de Bordeaux. C'est ce qu'Arafat avait dit. Et Arafat était le numéro 1 en Côte d'Ivoire. Vous voulez parler quoi? C'est parce que De Bordeaux, à un moment donné, il s'est rabaissé à votre niveau. C'est parce qu'il s'est rabaissé à votre niveau en voulant un peu sympathiser avec vous. Vous les petits artistes de pacotis. Excusez-moi de dire, je suis camerounais. Mais aucun artiste au Cameroun à l'heure actuelle, que ce soit Malox, que ce soit Ténor, n'a le niveau de Bordeaux. De Bordeaux a fait danser l'Afrique. De Bordeaux a fait danser le monde. Avant même qu'on ne connaisse même certains artistes pacotis camerounais. Ces artistes-là ont dansé même sous le son de Bordeaux. Voilà, c'est pas parce qu'aujourd'hui, ils sont un peu connus au Cameroun qu'ils vont prendre leur courage à des mains pour venir parler des stupidités, parler à De Bordeaux comme si c'était leur camarade. De Bordeaux, petit, il est dans la musique depuis fort longtemps, depuis la création même du monde. De Bordeaux, c'est pas votre camarade. C'est parce que lui-même, là, à un moment donné, il se respecte même pas. Parce que s'il se respectait, il ne devait même pas rester pour faire les directs, parler avec certains artistes qui ont seulement 5 ans de carrière. De Bordeaux, il a combien d'années de carrière? On en parle? Avant de continuer cette vidéo, les amis, n'oubliez pas. Abonnez-vous massivement à la chaîne YouTube, à ma chaîne YouTube. Abonnez-vous massivement parce que j'ai des choses à dire. Abonnez-vous. Smith prend le vrai, donnez-moi de la force. C'est juste 5 secondes. Abonnez-vous, les amis. Je vais tchakala tout. Je vais dire que, jusqu'à hier, je veux dire ce que je pense. Personne ici ne va rien me faire. Mystiquement, je suis prêt. Physiquement, je suis prêt. Mentalement, je suis prêt. Vous ne pouvez pas m'atteindre. Que ce soit les Camerounais de la diaspora, que ce soit les Camerounais, petit frère de Los Angeles, je n'en ai rien à foutre. Je m'en bats les couilles de vous. Je m'en bats les couilles de ce que vous pensez. Donc abonnez-vous. Venez même 10 000 contre moi. Oh, je vous mange. Vous mangez cru. L'ordre, mange cru. Quand vous mangez l'œuf. L'œuf bouilli. Bande de rats. J'étais en train de dire qu'il faut d'abord s'abonner. Parce que je suis rien que sur YouTube.
Voilà, sur YouTube, c'est le seul canal, voilà, où je peux m'exprimer librement. Donc, abonnez-vous massivement sur ma chaîne YouTube, ça ne prend que 5 secondes, je ne veux pas d'aide financière. Je veux juste que vous veniez, vous prenez 5 secondes de votre temps, vous allez à YouTube, vous vous abonnez sur ma chaîne. Bon, cette chaîne YouTube, hein, c'est pas comme si, ouais, c'est cette chaîne YouTube. Voilà, nous pouvons maintenant continuer. J'étais en train de dire que c'est parce que Debordo, là, lui, là, il ne se respecte pas. Parce qu'un artiste de son cran. J'aime beaucoup pas dire, attendez d'abord, je coupe un peu le lotus, je transpire. Et Néo, s'il veut nous tuer, tu payes la, tu consommes la lumière de 1000 fois, ils te disent que tu as consommé la lumière de 20 000. On va quitter le pays, c'est là. On cherche d'abord l'argent. J'arrive en Côte d'Ivoire. J'étais en train de dire que Debordo, là, lui là, le problème avec lui, c'est qu'il ne se respecte pas. Comment il peut se permettre de discuter même avec certains artistes qui ont seulement 5 ans de carrière, 6 ans de carrière? Debordo, on le connaît depuis l'époque de Jonathan. Hey, Jonathan, allélo. Petit, Debordo, le mimi des mimi. C'est pas parce que lui là, vous le voyez comme ça, qu'il ne vieillit jamais, que vous avez pensé qu'il n'est pas vieux. Hein? Il est vieux même dans la musique. Il est vieux. Qu'on parle du mouvement du coupé décalé. C'est lui. Qu'on parle du mouvement, le coron des colons. Après Arafat, c'est lui. C'est lui. Est-ce que du vivant de Arafat, vous pouvez parler comme ça de Arafat, Didi Arafat? Est-ce que du vivant de Didi Arafat, vous pouvez parler comme ça de Didi Arafat? Jamais de la vie. Oh, Debordo, c'était le second d'Arafat. C'était le second plutôt derrière Arafat. Donc ça veut dire que quand on parlait de couper les câlins en Côte d'Ivoire, c'était Arafat après Debordo. Donc, le mimi des mimi, il faut les laisser, il faut les sentir avec. S'entaler avec ça, ça ne te sert absolument à rien. J'ai compris même qu'il y a une nouvelle danse là, que tu vas un peu remixer, ou c'est le Djega Bonsaman, ou c'est quoi, maman, machin. Et c'est même pas trop. Mais lance. Alors si je suis Ivoirien, on va te soutenir. Comme les artistes camerounais veulent montrer qu'ils ont le gros dos, ils ne veulent pas s'humilier. Ils vont partir voir le public camerounais et on va voir comment la chanson de Viviane va marcher. Mais il faudrait aussi dire que Prince Aimé, il est trop bête. Hein. Il est trop bête. C'est lorsque le buzz sort, lorsque sa musique refait surface, que certains de ses frères viennent vers lui pour lui dire que non, comme tu vois. Et il accepte même. Mais c'est pour ça qu'on dit que l'école est bien. Il accepte même. Avant, personne ne le connaissait. Je suis qu'il était même à maintes reprises, allait même demander de l'aide à ces artistes-là, mais personne ne les gérait. Personne ne les gérait. Mais lui, il est trop bête. Prince Aimé, il est trop bête. Je me demande même s'il a eu le CPE. Il est bête. Il est doum-doum, il est idiot. Normalement, c'est un mois, il devait tous les placer là-bas. Je monte en Côte d'Ivoire. Je demande même au public ivoirien de me soutenir pour le billet d'avion. On peut tourner le clip là. Nous deux seulement. Ça, c'est même qui. Toi, tu es jusqu'à l'autre là. Je vois certains là, ils se lèvent, ils font les directs. Sur une musique même qui ne les appartient pas. Malheureusement, tu fais un direct sur une musique qui n'appartient pas, mon frère. Qu'est-ce que la personne, l'auteur, compositeur de cette musique en pense? Est-ce que tu veux sortir dans le clip? Oui, je veux sortir. Ok. On te paye le billet, tu pars faire le remix avec Debordo. On relance ta carrière. L'argent qui va sortir de cette musique, on te donne un peu ton jet. Et puis c'est fini. Là maintenant, tu t'en sors. C'était simple. C'était comme bonjour. C'était comme dire bonjour à une fille. C'est tout ce qu'il fallait faire. Mais tu as fait au point où même Debordo s'est énervé. Il a dit que non, toi là, il te laisse avec ça. Cale avec. Pour finir, tu as perdu un abscisse en ordonnée. Ils vont dépenser combien pour la réalisation de ces clips? Les artistes qui ont décidé de faire remix avec toi au Cameroun, ils vont dépenser combien? Ils sont d'abord radin. Mais c'est... Ah, pardon. Champion, il faut laisser. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner massivement à la chaîne pour me donner de la force. C'est très important. On est ensemble, big up la famille. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous aime.